Ah. C'est parti. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous les participants de cette visioconférence. Merci d'être présents ce soir pour la première conférence de l'année organisée par le projet étudiant de l'IAE Lille qui s'appelle Conférence Management. Alors, cette conférence est avant tout organisée en partenariat avec Orange et la start-up lilloise Énergique. Dans ce contexte si particulier, nous sommes chanceux de pouvoir utiliser ces outils numériques. Et d'ailleurs, le sujet de ce soir met en avant ce phénomène de digitalisation que connaissent les entreprises. Seulement, celles-ci sont à la fois de plus en plus sollicitées et sensibilisées à adopter un comportement plus responsable vis-à-vis du développement durable. Et tout est là l'enjeu de ce soir, puisqu'on va se demander comment concilier RSE et transformation numérique. Nous allons donc essayer de comprendre les enjeux du numérique dans les politiques RSE, puis plus particulièrement l'intégration du numérique dans cette logique éco-responsable d'entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir trois intervenants. Emmanuelle Coulon, directrice environnement territorial chez Orange. Thomas Longmar, directeur de l'innovation chez Orange. Et enfin, Quentin Ousland, membre de la start-up Énergique. Alors, je reviendrai vers vous, chers auditeurs, à la fin de l'échange. Alors, n'hésitez pas à participer et à préparer vos questions que vous pourrez poser via nos différentes pages sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore YouTube sous le nom de Conférence Management. Tout d'abord, bonsoir Emmanuel. Merci d'être Bonjour. présente ce soir. Alors, pourriez-vous Merci. vous présenter au public? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, donc moi je suis directrice environnement territorial chez Orange. Donc ça veut dire que au sein d'Orange, je porte l'environnement et sur une région qui couvre en fait les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Je suis ravie d'être avec vous. Merci Emmanuel. Alors, nous sommes également avec Thomas. Donc, merci d'être là et pouvez-vous vous présenter? Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Thomas Longmar, je suis en charge de l'innovation chez Orange pour les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne, et plus particulièrement des projets d'innovation en collaboration avec les startups et l'économie, l'écosystème d'innovation. Donc voilà pour ma présentation. Merci. Et enfin, nous sommes avec Quentin. Donc, bonsoir Quentin. Je vous laisse la parole pour vous présenter également. Alors moi, c'est Quentin, je suis un des cofondateurs, d'Énergique. Je suis un ancien étudiant de l'IAE, diplômé en 2018, du coup, en entrepreneuriat et management de l'innovation, donc à l'IAE. Donc j'ai créé Énergique quand j'étais en master 1 à l'époque. Donc là, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Petite précision, Louise, moi aussi, je suis ancienne diplômée, mais alors, contrairement à Quentin, je ne suis pas de la promo 2018, mais de la promo 1998, donc du siècle dernier. Voilà. Mais à l'époque, j'avais fait MSG et puis un DEA. Voilà. Merci. Pour commencer avec vous, Emmanuel, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la RSE et en quoi consiste-t-elle? Quels sont les avantages pour une telle démarche pour les entreprises? Alors, si je reprends en fait la définition hein, de la RSE, hein, donc pour responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'ensemble en fait des pratiques qui sont mises en place par les entreprises hein, dans le but de respecter les principes d'un développement soutenable et durable, donc à la fois sur les volets sociaux, environnementaux et économiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que bah, finalement, une entreprise, elle fonctionne pas hors sol. Hein. En fait, son activité, elle va avoir des conséquences hein, à la fois sur l'économie, mais aussi sur l'environnement et puis globalement sur les hommes. Et en fait, une entreprise, elle doit mesurer en fait cet impact, de faire en sorte qu'elle agisse pour un développement réellement durable. Voilà, alors la RSE, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis les années 60 aux États-Unis, hein. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que ça prend, parce que maintenant, c'est devenu en fait, il y a eu une grosse accélération en fait des attentes de la société hein, sur ce sujet RSE. Et ce n'est pas un effet de mode. Donc, c'est l'amplification qui est importante. Et maintenant, on peut dire que la RSE, c'est devenu un incontournable, hein, finalement, pour les entreprises. C'est même quasi devenu vital, en fait, pour une entreprise d'intégrer la RSE dans sa stratégie. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une bonne illustration, en fait, qui vous concerne, hein, vous les étudiants là-dessus, parce qu'on sait maintenant que les étudiants, de plus en plus, ils vont choisir, finalement, l'entreprise dans laquelle ils vont vouloir travailler
en fonction de ses engagements environnementaux, enfin environnementaux, RSE, voilà, je parle pour mon sujet, mais voilà, les sujets RSE, et autrement dit, hein, un étudiant va parfois refuser de travailler pour une entreprise qui n'a pas justement d'engagement RSE, et pour lequel, en fait, ça ne va pas être aligné avec ses valeurs. Donc, c'est devenu, en fait, vraiment important. Alors, chez Orange, nous, forcément, on a une stratégie RSE très forte, hein, et on a deux piliers qui poussent beaucoup sur la RSE, hein, c'est à la fois l'égalité numérique et l'environnement. Donc, ça tombe plutôt bien pour le sujet de ce soir. Merci, Emmanuel. Alors, maintenant, Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste la transformation numérique ? Alors, vaste sujet. La transponume, on pourrait la définir, enfin, il y a plein de définitions, hein, si vous googlisez, je vais vous donner la mienne, qui est l'appropriation des outils numériques sur l'ensemble des strates dans le monde économique, et aussi, ça peut être aussi dans le monde public, hein. Il y a une transponume numérique dans les administrations, avec tout ce qui est dématérialisation et démarche en ligne, et dans les entreprises, j'insiste sur toutes les strates, parce que le numérique à sa place, c'est pas simplement ouvrir un site de e-commerce, c'est aussi s'approprier, utiliser l'outil du numérique au quotidien dans sa gestion de projet, dans son logistique, dans le transport et absolument à tous les étages d'une entreprise. Un petit aparté, est-ce que en France on est en retard ou en avance? J'aurais plutôt tendance à dire dans la moyenne basse dans les pays développés, parce que on a une approche pas forcément techno-friendly en France. On a plutôt peur du numérique. On a parfois tendance à le voir comme un concurrent, hein, comme on peut le voir dans les discours autour des grandes entreprises du numérique, et plutôt de se dire comment les copier, comment faire aussi bien qu'eux et comment faire mieux qu'eux. On essaie plutôt de les combattre en conservant notre modèle franco-français. Le numérique ne s'oppose pas forcément à notre modèle français. C'est un outil supplémentaire qu'on peut utiliser à différentes doses pour être plus performant, pour optimiser nos processus et pour délivrer de la performance économique et, pourquoi pas, environnementale. On le dira après. Ensuite, comment vous, Énergique, intervenez-vous en ce sens auprès des entreprises ? Quels sont les enjeux de votre démarche pour les entreprises ? Alors nous, Énergie, qu'on va dans les entreprises, en tout cas qu'on accompagne, donc les grandes entreprises, notamment comme Orange, qu'on accompagne depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on va déployer un challenge en interne. Donc ce challenge, il va être sur une application mobile. Donc, l'objectif, ça va être de motiver un maximum de collaborateurs à faire des petits gestes au quotidien. Donc, on va leur lancer des missions, des petits gestes pour l'environnement. Donc, on va leur lancer des missions, on va leur lancer des quiz au quotidien pour les sensibiliser aux sujets environnementaux et RSE au sens large. Donc on utilise le numérique comme ça, donc avec ce système d'application mobile. Donc on va utiliser le numérique pour diffuser les bonnes pratiques. Ça pose la question, une question qu'on nous pose assez souvent avec Énergique, c'est de dire, bah, c'est quand même paradoxal que vous utilisiez un outil numérique qui pollue. Pour faire passer des bonnes pratiques. Effectivement, il y a un impact de ces solutions numériques, mais il faut faire la balance, en fait, voir qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, ça va permettre de toucher énormément de personnes, ça va permettre d'éveiller les consciences de beaucoup de gens. Donc ça c'est un impact qui est très positif par rapport à l'impact du traitement sur les serveurs, etc., qui, lui, a un impact négatif en termes de... un impact négatif. En termes carbone, donc il faut bien faire la balance entre les deux. C'est un moyen, le numérique, il ne faut pas l'oublier. Le but, ça va être de faciliter les choses au quotidien. On l'utilise pour faire passer les messages, pour faire passer l'information, récolter de l'information aussi, pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et pouvoir agir de manière assez chirurgicale. Donc ça, c'est vachement important de le considérer comme tel. Ça ne doit pas être une fin en soi, c'est vraiment un moyen. Il faut l'utiliser comme ça. Idéalement, si on arrive un jour à sortir en fait, de l'application, en tout cas je parle du cas d'Énergique, si on arrive un jour à sortir de l'application et à faire en sorte en fait, que tout le monde ait tout compris et agisse au quotidien parfaitement pour l'environnement, ben, on aura gagné. Mais pour l'instant, on a encore besoin de cet outil-là pour sensibiliser un maximum de monde
Et en attendant, donc on essaye de réduire l'impact en fait de cet outil. Voilà, c'est là où on parle d'éco-conception. On va stocker par exemple les données, on va réduire les données avant de les stocker pour éviter de stocker des masses importantes de données. On va optimiser les infrastructures, optimiser certains traitements, enfin, voilà, certains traitements d'informations, supprimer des données quand il n'y en a plus besoin. Donc il y a toute cette démarche-là qui est mise en place. Bah pour faire en sorte d'être aligné finalement avec nos valeurs, avec nos objectifs. Et voilà, donc cette partie éco-conçue qui est importante pour être crédible en tout cas. D'accord. Donc on sait qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, le travail a d'ailleurs largement pu se développer. Emmanuel ou Thomas, quels changements pourraient faire les entreprises? Quels seraient les nouveaux usages numériques à adopter? Thomas? Tous, évidemment. On l'a vu effectivement avec la crise. On a fait beaucoup de visio, comme on vient de le faire là. Et d'ailleurs, en tant qu'offreur de solutions numériques, hein, parce qu'on utilise le numérique pour nous et après on vend des solutions numériques, on a aussi un petit calculateur pour montrer aux entreprises le gain qu'elles peuvent faire en utilisant le numérique. On va prendre l'exemple de cette visio. J'avais fait l'exercice pour une réunion en interne. On était une cinquantaine à se déplacer. Et en fait, on aurait utilisé, enfin, déconsommé 500 pardon, kilos de CO2, rien que pour se déplacer, rien que pour cette petite réunion d'une heure. On l'a fait en visio. On n'a pas consommé autant de CO2. On estime que le numérique permet d'économiser 10 fois plus de CO2 qu'il n'en consomme. Donc, si on reprend l'exemple de cette réunion, probablement le serveur, le flux vidéo qu'il a utilisé, le stockage également, c'est 50 kilos de CO2 pour 500 qu'on a évité en utilisant du gasoil. Donc, c'est quand même un rapport qui est hyper intéressant. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à convaincre le monde économique, parce que c'est des économies de coûts, hein, le numérique, hein, c'est encore une fois, c'est de la performance, on a gagné le temps de déplacement, et aussi c'est de la performance environnementale, parce que c'est plein de dépenses inutiles en termes de carburant, par exemple, de déplacement, mais on peut en citer d'autres, hein. On est aussi acteur dans tout ce qui est objets connectés. Et on l'applique pour vous donner deux exemples au bâtiment, le bâtiment intelligent qui permet par exemple de détecter une fuite d'eau ou de diminuer la consommation de chauffage ou de l'ajuster quand il n'y a personne dans la pièce, de vérifier que le week-end il n'y a pas quelqu'un qui a laissé une fenêtre ouverte ou pour chauffer les rues ou à l'inverse qui a oublié d'éteindre le chauffage pour chauffer inutilement pendant les vacances de Noël ou pourquoi pas pendant un confinement, c'est la période qui veut ça. On a beaucoup donc dans le smart building, en bon français, de moyens d'économiser de l'énergie. Et l'autre exemple dans les objets connectés, c'est la smart agriculture. De la même façon, on a tendance à beaucoup opposer l'agriculture intensive, grande utilisatrice d'engrais, de pesticides, et puis l'agriculture biologique. Le bio, c'est vrai que c'est un moyen qui est plutôt bon pour l'environnement, mais par contre, si tout le monde mangeait bio, on n'aurait pas de quoi nourrir la planète. Et peut-être que le chemin entre les deux, c'est ce qu'on appelle la smart agriculture ou l'agriculture de précision, où on peut mettre des capteurs qui permettent de surveiller en permanence les différentes parcelles d'ensoleillement, du taux d'humidité, d'azote, par exemple, pour non pas épandre en masse énormément de produits, mais de mettre la juste consommation d'eau, la juste consommation de pesticides, la juste consommation d'engrais pour éviter de gâcher, de mettre en trop grande quantité. Ou par exemple, quand il s'agit d'un parasite, de ne traiter que les quelques parcelles qui sont malades au lieu de traiter l'ensemble de l'exploitation agricole. Voilà en tout cas des outils qui sont à la fois utiles pour la performance économique des entreprises et donc la transformation numérique qui amène,
à ça, à une performance environnementale en limitant toutes ces dépenses d'énergie ou de pesticides, d'engrais ou Dieu sait encore. Manuel, tu allais compléter? Oui, alors bah, tu l'as dit, hein, de toute façon, maintenant on sait aussi que de toute façon le numérique est incontournable et on l'a bien vu avec cette crise. Hein, tu parlais d'usages digitaux, le télétravail aussi. Hein, finalement, le numérique nous permet d'être en télétravail et d'ailleurs on le voit bien, on découvre tous les intérieurs de tous nos collègues actuellement. C'est plutôt drôle. Mais par contre, en fait, il faut le faire, mais de façon responsable. Donc moi, j'ai envie de dire oui au numérique. Mais oui, au numérique responsable. Alors, c'est sûr que nous, c'est un domaine, on peut pas passer à côté chez Orange parce que déjà, on est opérateur. Voilà, donc il faut qu'on soit responsable là-dessus. Et vous savez peut-être, mais on a pris un engagement très fort hein, puisqu'on a décidé de s'engager pour atteindre la neutralité carbone hein, au niveau d'Orange en 2040. Donc, ça veut dire 10 ans avant les accords de Paris. Voilà, donc c'est un engagement très fort qui montre bien en fait, on veut aller très loin dans notre engagement responsable. Et du coup, nous, on a de cesse de travailler finalement sur l'optimisation énergétique de nos installations techniques et de nos antennes, et nos data centers aussi. On sait que c'est des installations qui génèrent du CO2 et on réduit drastiquement en fait le CO2 en fait émis par ces installations et on travaille aussi beaucoup sur notre mix énergétique. Voilà. Donc nous, le but, c'est que on atteigne 50% de notre mix énergétique avec des énergies renouvelables, hein, notamment par exemple de l'éolien qu'on achète en gros. Voilà, donc on veut vraiment avancer sur ce domaine et puis on travaille aussi sur nos émissions carbone, notamment nos déplacements et puis nos bâtiments. Enfin voilà, donc on essaie d'être vraiment vertueux sur le sujet. Mais on a aussi un rôle en tant qu'opérateur, c'est celui d'accompagner finalement nos clients vers le numérique responsable. Parce qu'on sait que finalement, statistiquement, il n'y a qu'un tiers en fait des Français qui se sentent bien informés sur le numérique, voilà, sur la pollution que peut générer leurs usages. Alors attention, hein, je parle d'usage, mais il faut savoir que les deux tiers de l'empreinte environnementale du numérique, c'est lié finalement à la fabrication du produit. Du produit, enfin des téléphones et des infrastructures techniques. Voilà, donc nous, on prend notre part chez Orange pour nos infrastructures et puis on essaie d'éduquer aussi nos clients sur finalement l'économie circulaire. Hein. Il faut savoir qu'un mobile, on garde en moyenne 23 mois et on le change alors qu'il fonctionne encore. Une tablette ou un PC, si on le prolonge de 2 ans l'utilisation qui est aussi 2 ans, eh ben on va diviser par deux en fait l'empreinte environnementale. Voilà, c'est vraiment dû à l'appareil même et à sa fabrication. Donc c'est l'équipement. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, donc on travaille là-dessus et on essaie de faire en sorte que aussi dans les usages, hein, donc qui pèsent finalement un tiers, que les usages soient aussi vertueux. Donc par exemple utiliser, par exemple c'est un truc tout bête, mais utiliser le bon réseau. Quand on est chez soi et qu'on a la fibre, il ne faut surtout pas rester en 4G parce que la 4G, c'est énergivore, alors que la fibre, ça l'est beaucoup moins. Voilà, mais si on ne le sait pas, finalement, on ne le fait pas de façon… Ce n'est pas inné. Voilà. Donc, on a aussi un devoir d'éduquer nos clients sur les usages responsables du numérique. En tout cas, on s'y attache. Je pense que c'est intéressant de partager quelques petits tips comme ça sur justement les bons usages, enfin, les chiffres que vous avez chez Orange, en tout cas, c'est peut-être intéressant de les partager sur l'impact des mails, l'impact de la différence entre la 4G, le Wi-Fi, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être, je sais que ça plaît en tout cas aux utilisateurs d'énergie. Ouais. Ça devrait plaire aussi aux personnes qui regardent cette vidéo. Je sais pas si vous en avez encore quelques-uns dans votre business. Alors, j'en ai plein. D'ailleurs, je peux vous faire une conférence entière, en fait, sur ces petits gestes verts, sur les usages et sur l'économie circulaire. Je vous invite aussi à aller sur un site hein, qui est Orange et qui s'appelle Bien vivre le digital, avec plein de conseils, et notamment sur le numérique responsable. Voilà, avec, comme tu dis, plein de petites techniques pour être plus vertueux et découvrir des choses, finalement, qu'on ignorait. Alors, justement, en parlant de ça aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai reçu un mail d'Orange en m'indiquant et si on diminuait notre empreinte carbone avec, pareil, des petits conseils permettant cette diminution et des petits exemples qui vont nous permettre de comprendre
comment mieux gérer. Et désormais, sur les espaces clients, en fait, hein, ou sur Orange et moi, ou sur moi, enfin, la Pissoche, on peut avoir aussi le calcul, en fait, de l'empreinte carbone des usages pour l'instant téléphone et puis bientôt sur les box, pour justement faire prendre conscience à nos clients de ce que génère leur usage pour les rendre un peu plus vertueux et avec plein de conseils. Voilà, c'est une nouvelle campagne, mais depuis 2020, enfin, vous avez dû remarquer, mais on essaie vraiment de communiquer beaucoup sur ces sujets pour accompagner nos clients. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui de communiquer en disant voilà, vous avez consommé 20 gigas de données et ces 20 gigas ont cet impact-là? Ou c'est quelque chose qui a été fait par Orange? Je me posais la question récemment. Je suis pas sûre qu'il y ait du réglementaire sur cette partie-là. Alors, il y a de plus en plus de réglementaire et franchement, c'est très bien parce que nous, ça nous aide aussi à progresser. Donc, notamment sur nos bâtiments où, là, on progresse beaucoup aussi grâce au réglementaire. Mais là, alors, c'est pas réglementaire, en tout cas pas à date. Alors, si ça l'est, ça veut dire qu'on devance en fait l'obligation réglementaire. C'est très bien. Du coup, récemment, on a également lu que le magazine Le Point avait classé Orange 3e sur 250 entreprises pour le respect de ses normes RSE. J'imagine que votre objectif est donc de se hisser à la première place. Et dans ce cas, quels sont les rôles du manager dans le respect et la mise en place de ces nouvelles réglementations ? Emmanuel. Alors, troisième, c'est déjà bien. Enfin, nous, quand on a des classements comme ça, on est content en fait de constater que finalement, ce qu'on fait porte ses fruits et qu'on puisse être reconnu. Et quant au rôle des managers, en fait, bah, il est juste essentiel pour une entreprise. Hein. En fait, dans une entreprise, la RSE, hein, c'est pas l'affaire d'une équipe dédiée à RSE, surtout pas. Hein. En fait, la RSE, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors, chez nous, on est certifié à ce qu'on appelle l'ISO 14001. C'est une certification AFNOR et qui demande, en fait, donc c'est une certification environnementale. Et pour être certifié ISO 14001, il faut avoir mis en place un système de management environnemental. Donc, ça s'appelle le SME, système de management environnemental. Et j'insiste toujours beaucoup quand je présente, en fait, cette certification sur le mot management. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, pour ce SME, on décide finalement d'une politique environnementale au plus haut d'Orange France, et puis on va décliner cette politique avec des objectifs et une feuille de route hein, sur l'ensemble de ce qu'on appelle nous nos unités, hein, puisqu'on a, on a plein d'unités en région notamment, pour que chaque unité prenne sa part en fait dans ces objectifs-là. Et ce que je veux dire, c'est que ça part en fait du top management et ça descend jusqu'au salarié. Donc chaque manager a un rôle fondamental hein, parce qu'il ne faut pas qu'il casse la chaîne. Voilà. Donc et s'il casse la chaîne, finalement, on n'arrivera pas à descendre jusqu'au salarié. Donc tout ça pour vous dire que ce système-là de management environnemental, il ne tient que par la structure managériale. Voilà. Donc il faut que chacun de nos managers puisse incarner finalement notre politique environnementale jusqu'au bout pour la mener à bien. Voilà. Donc ça peut être par exemple la politique en termes de déplacement, ça peut être les gestes verts. Et donc nous on adore travailler avec Energic justement parce que ça va être une appli qui va aider nos salariés à être sensibilisés sur justement les gestes verts, et donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On travaille aussi sur les gestes métiers, on va essayer de faire en sorte que nos vendeurs en boutique ils essaient de promouvoir le plus le recyclage des mobiles et expliquer aussi pourquoi aux clients c'est important. Notre volonté en termes de collecte des mobiles, donc vous l'avez compris, hein, quand on sait que c'est deux tiers de l'impact, c'est finalement l'équipement, on va essayer de finalement collecter 30% des mobiles qu'on vend. Alors ça peut... C'est beaucoup, voilà. Ça peut paraître peu, hein, 30%, mais c'est voilà, on a des millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. Donc, c'est devenu essentiel. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur tous ces gestes-là. Et ça, on va le faire grâce à notre système de management environnemental et grâce à nos managers. Voilà. Merci. Alors, pour revenir à notre question centrale de ce soir, qui était comment concilier RSE et transformation numérique. J'aimerais vous demander qu'en pensez-vous quant à la conciliation de la transformation numérique, de la RSE et pour prendre, et également prendre en compte la performance économique d'une entreprise.
Est-ce que les trois sont conciliables? Est-ce que vous pensez vous? Bien sûr, évidemment. En fait, on voit souvent que la RSE, c'est perçu comme quelque chose qui est annexe, en dehors de l'entreprise, comme le dit Emmanuel, qui c'est le service com ou RSE qui s'en occupe et finalement, ce n'est pas important, alors qu'en fait, c'est l'identité de l'entreprise et elle doit être à tous les étages. C'est comme on le disait pour la transformation numérique, le numérique doit être à tous les étages de l'entreprise et chaque salarié doit utiliser dans le cadre de son poste de travail et en fonction de ses appétences et de ses capacités du numérique. C'est pareil pour la RSE. Il faut qu'elle transpire au sein de l'entreprise et qu'elle ne soit pas vécue comme une contrainte, comme c'est le cas souvent. On le disait tout à l'heure, c'est du réglementaire, on nous oblige, il faut qu'on mesure notre impact carbone, etc. Et en fait, quand on joue le jeu et quand l'ensemble des salariés sont acteurs de la RSE, on voit qu'à l'inverse, c'est un outil, et c'est un outil hyper important et hyper utile, en fait, pour la performance économique. On le disait tout à l'heure, hein. Quand on a à la fois une démarche qui est économique et environnementale et qu'on se pose la question d'un déplacement, et quand on regarde ces deux jauges, les deux nous disent qu'il faut limiter nos déplacements et utiliser de plus en plus le numérique. Et parce que ça nous fait baisser les coûts et parce que ça améliore notre empreinte environnementale. Donc, la RSE est même au service de la performance économique. En tout cas, tout l'enjeu, c'est que chacun des salariés d'une entreprise ait conscience qu'elle est bien au service de la perf de l'entreprise et pas l'inverse. Et que ce n'est pas l'entreprise qui est au service de sa RSE. Donc pour vous, ça ne doit pas effrayer les entreprises, plutôt les rassurer. Non, c'est vraiment pas incompatible. Enfin, en gros, performance économique, numérique et environnement, c'est pas du tout incompatible, hein. Et on peut même dire que, enfin, il faut aussi. Alors, Thomas a donné des exemples tout à l'heure, hein, mais il faut que le numérique doit être aussi au service de l'environnement, hein, avec plus de télétravail, plus de réunions à distance, moins de kilomètres, des applis numériques, encore une fois, comme énergie, qui vont nous rendre plus vertueux. Voilà, il faut qu'on ait des usages numériques pour des impacts positifs sur l'environnement. Voilà, donc quand on essaie de faire de la dématérialisation, par exemple, pour réduire le papier, c'est un impact positif. Voilà, donc il faut pas, enfin, Quentin le disait, il faut mesurer en fait ce que ça génère comme CO2 dans le numérique, il faut regarder ce qu'on gagne en échange, et c'est énorme. Voilà. De toute manière, il ne faut pas oublier que sur le long terme, même, là on le voit aujourd'hui, mais sur le long terme, il ne faut pas oublier que sans performance environnementale, enfin c'est la base, le fondement de tout, il n'y a pas de performance économique. On a longtemps privilégié la performance économique sur la performance environnementale. On a vu là où ça nous mène, là où c'est en train de nous emmener aussi. Il faut, enfin, c'est nécessaire de se pencher aujourd'hui, même plus que se pencher d'ailleurs. Sur l'aspect mental, il faut aller beaucoup plus vite, sinon il n'y aura plus de performance économique, ça c'est sûr. C'est un sujet qui est au cœur. On l'a dit tout à l'heure, il y avait de plus en plus de jeunes, d'étudiants, enfin de cadres notamment, qui attachent une grande attention en fait à l'engagement en fait des entreprises pour la RSE, parce que c'est le grand enjeu de ce siècle-ci. Et que si on passe à côté de ça, c'est juste, enfin, il n'y a aucune raison de se lever le matin si c'est pas pour ce combat-là. Enfin, c'est un vrai combat, c'est un vrai enjeu, et tout est lié, enfin, tout démarre de là, finalement. On reprend le problème à bras-le-corps. Et donc, c'est un sujet vraiment essentiel aujourd'hui, d'où l'intérêt de former les collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'être formés sur ces thématiques-là. Et pour les écoles comme l'IAE, comme l'EDHEC, Skema, etc., qu'on accompagne. C'est de former les étudiants avant qu'ils deviennent justement pour que lorsqu'on leur dit il faut prendre en compte la RSE et l'environnement dans ses pratiques métiers, ce soit juste évident et que ce n'est même pas une question de formation et de passation de l'information, etc., que ce soit quelque chose qui soit fait un peu by design par tout le monde et vécu par tout le monde et qu'on puisse plus prendre des décisions qui vont à l'encontre de ces choses-là. On se dise plus
Bon, on va faire quelques bêtises d'un point de vue environnemental, mais ça va nous rapporter pas mal. Donc ça passe plus du tout, ce n'est pas juste plus possible que ça se passe comme ça. Et je voulais juste compléter aussi tout à l'heure sur la partie, en tout cas le triptyque numérique, environnement. C'est la bonne occasion aussi, toute cette partie transformation, de repenser aussi certains usages. Il y a, on se demandait, est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Enfin, est-ce que si on doit choisir entre se déplacer et faire du numérique, il y a aussi une troisième voie, qui est la sobriété, qui est aussi une voie importante à étudier. Se dire, est-ce qu'on a besoin, enfin, j'ai énormément de plaisir à faire des réunions à 50. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette réunion-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tel usage? Etc. Repenser ces usages-là pour aller vers plus de sobriété. Parce que finalement, si le déplacement a un impact de 10, le numérique a un impact de 1, mais la sobriété a un impact de 0, enfin, aujourd'hui, on a besoin de réduire vraiment drastiquement cet impact. Donc, il faut aussi penser cette voie de la sobriété qui est vachement importante. Et quand je le disais tout à l'heure sur bah, l'application, c'est bien, mais le jour où on n'a plus besoin de l'application, eh bah, c'est encore mieux en termes d'impact. Et on voit de plus en plus, en tout cas sur la partie numérique, que les gens prennent conscience en fait que ça a un impact. On parle de campagne de suppression des mails, etc., en comparant un peu les mails au prospectus. Prospectus, quand on en a 13 000 dans sa boîte aux lettres, on s'en rend compte. Les mails, quand on a 13 000, finalement, on se dit, bah tiens, c'est juste embêtant. Mais on ne pense pas à les supprimer, etc., ces petits usages. Et à tel point qu'il y a même le World Cleanup Day, qui est la journée de nettoyage de la planète, qui se passe en septembre chaque année. D'habitude, ils font une intervention qui est physique, donc ils vont ramasser les déchets sur les plages, etc. Aujourd'hui, ils ont fait une édition également numérique pour nettoyer les serveurs, pour nettoyer les boîtes mail, pour nettoyer les drives, etc., qui ont un impact, mais qui est caché. Et il y a un très bon documentaire qui est la face cachée du web, la face cachée du web, qui est vachement intéressant justement sur l'impact de tout ce stockage, etc. C'est un peu de la. En fait, c'est invisible. Et donc, finalement, on s'en rend même plus compte. Mais là aussi, hein, il y a des. Enfin, nous, on a participé justement au Clean Up Day digital et c'était super intéressant puisque finalement, on a fait du nettoyage de boîtes, mais collectif. Et à la fin, on se disait, mais finalement, on a nettoyé combien? Et finalement, ça fait combien de CO2? Et ça peut être énorme, voilà, juste parce qu'on était dit, c'est que pendant 30 minutes, on a nettoyé en fait des fichiers dont on ne se servait pas. Alors c'était nostalgie, hein, parce que moi j'avais des choses il y a 5 ans. Hein, enfin, c'était vraiment. Voilà. Mais en même temps, c'est dramatique. J'ai gardé des choses dont je n'avais pas besoin, qui sont en plus stockées sur les data centers. Donc j'ai envie de dire, oui, il faut faire ce truc-là. Il faut aussi tous les mails qu'on reçoit parce qu'on est sur des newsletters, etc. Si on ne les lit pas, ben, il faut se désabonner. Voilà, c'est des petits trucs. Tout simple, si un PC, au lieu de le jeter, enfin, de s'en débarrasser, est-ce que finalement ça ne ferait pas un bon disque dur? Voilà. Donc il faut aussi réutiliser son matériel, voilà, avec des enfin, faut être un petit peu inventif. Et puis après, il faut prendre finalement tous ces usages. On peut réduire aussi la définition de son mobile, on peut baisser en fait la luminosité, on peut arrêter les lancements automatiques de vidéos. Enfin, il y a plein de petites choses à faire en fait qui vont alors pas nous gêner, hein, finalement, parce que. Il ne faut pas non plus, enfin, on ne va pas priver tout le monde de plein d'usages. Par contre, il faut qu'on en ait conscience. Et oui, il y a peut-être des choses qu'on peut. Enfin, moi, j'aime bien aussi le terme de sobriété. Enfin, voilà, j'essaie de me l'appliquer aussi. Et pour autant, je ne me sens pas privée. Voilà, c'est juste que je sais mesurer finalement c'est la méthode des petits pas, hein, finalement. C'est un peu le colibri, hein, mais si chacun fait un petit pas, finalement, on va avancer. Collectivement et loin, quoi. Voilà. Donc ça fera pas tout, mais c'est un début. Voilà. C'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui marche bien. J'ai appris par un professeur de l'ESSEC. Il disait finalement, ce qui marche pour inciter les gens à faire des gestes verts, par exemple, c'est pas tant de les convaincre, parce que finalement, est-ce que ça marche bien de convaincre? Pas sûr. Ce qui marche bien, et ça, sachez-le, c'est hyper important, c'est le mimétisme. Voilà, les gens vont faire des choses parce qu'ils auront vu d'autres le faire. Et le mimétisme, c'est assez magique. Quand on voit quelqu'un faire des choses, il va par mimétisme essayer de faire la même chose. Et il faut que ce soit positif, tout ça. Et ben, les gestes verts du numérique, c'est exactement ça, hein. Si on prend l'habitude de faire en réunion, par exemple, hein, pourquoi pas commencer une réunion par 10 minutes de nettoyage numérique. Voilà, et par mimétisme, les gens vont tous s'y mettre. Voilà, c'est une petite idée comme ça que je lance, mais c'est pas mal. Je suis assez fan de.
la technique du mimétisme. Et les études universitaires l'ont montré. Hein, voilà, je ne dis pas ça au hasard. Hein, c'est clairement prouvé par des études. Alors, dans cette partie, on a beaucoup lié l'enjeu environnemental et le numérique. Mais je pense qu'il y a un aspect assez important à évoquer, c'est la confiance dans cette transformation numérique. Donc, la confiance qui est source d'interrogation et pour beaucoup de personnes qui font preuve de méfiance face à la gestion de ces données. Est-ce que, Quentin, vous pensez qu'il y a des risques qui sont liés au numérique et qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte? Alors moi, j'avais identifié effectivement trois enjeux principaux. Un, j'en ai pas mal parlé, qui est la surconsommation. Le fait que bah, voilà, ce soit beaucoup plus simple de regarder 10 heures de streaming que ça l'était il y a 10 ans. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Du coup, c'est pas pour autant qu'on doit le faire beaucoup plus. C'est facilité, mais il faut qu'on adapte ces pratiques aussi, qu'on prenne conscience que c'est pas parce que c'est possible technologiquement qu'il faut le faire. Ça, c'est important. Il y a un enjeu d'accessibilité, parce que là aujourd'hui on parle de numérique, de former les gens par le numérique, etc. Mais entre nous, très bien, il existe aujourd'hui en France encore une fracture numérique. Donc il y a certaines personnes âgées qui n'ont pas du tout accès au numérique, il y a des personnes qui n'ont pas accès à des ordinateurs et des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Ça existe, il y en a encore beaucoup, même plus que ce qu'on pense. Effectivement, on est un peu entre nous, donc on ne prend pas forcément conscience de ça. Mais c'est un vrai enjeu de rendre accessible le numérique, ne serait-ce que pour les démarches administratives, etc. C'est important. Il y a un enjeu aussi d'accessibilité, non pas grand public, mais sur la partie, par exemple, handicap. Il faut que les sites soient accessibles aux personnes malvoyantes, personnes sourdes, par exemple. C'est une très belle boîte qui le fait à Euratech, qui est Picto Access, qui rend aussi pas mal, enfin, qui rend visible l'accessibilité. Donc ça c'est assez intéressant. Et finalement, le dernier point qui répond à la question, qui est l'enjeu éthique sur le traitement des données. Effectivement, il y a une méfiance parce qu'il y a beaucoup de données qui sont collectées, il y a beaucoup de données qui sont traitées. On peut trouver pas mal de choses. Il y a la RGPD qui aujourd'hui est en place, qui pousse les entreprises à respecter ce traitement de l'information, demander les autorisations pour récolter telle ou telle donnée. Mais il y a raison, je pense, d'avoir une certaine méfiance, tant il y a de données qui sont collectées et des données qui aujourd'hui sont, on va dire, pas graves. Il y a pas mal de personnes qui vont dire bah, c'est pas grave si on récupère telle ou telle donnée sur moi. Dans ce contexte-ci, dans un autre contexte, ces données qui ont été collectées pourraient être mal utilisées ou fuitées, etc. Et là-dessus, il y a un documentaire qui est assez intéressant qui s'appelle Nothing to Hide. Qui justement traite ce sujet-là de j'ai rien à cacher mais on n'a rien à cacher aujourd'hui. Peut-être que certaines choses que aujourd'hui on s'en fiche de partager qui seront peut-être pénalisées demain. Voilà, il y a ces informations-là sont stockées. Je dis pas qu'il faut être complètement paro, etc. Mais je pense que c'est important de faire attention, de prendre conscience qu'on partage beaucoup d'informations et de pas ce que c'est une sobriété, appliquer aussi le partage des données. Ouais, mais je dis souvent qu'il faut faire rimer confiance avec conscience. Voilà, il faut aussi avoir conscience des choses. Là aussi, hein, quand tu parlais de notre site Bien Vivre le Digital, c'est bourré aussi de conseils là-dessus. Voilà. J'ai bien aimé aussi ce que Quentin, quand tu as parlé d'inclusion, voilà, nous, c'est aussi un sujet quand on parle d'égalité numérique. On essaie de travailler aussi sur l'inclusion et notamment, on a des offres justement pour rendre le numérique accessible à certaines populations qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper. Voilà, donc c'est quelque chose aussi très important chez nous en termes d'égalité numérique. Je voulais juste l'ajouter sur, voilà, c'est un des piliers de la RSE. Alors, je vais vous demander si vous avez des petites choses à rajouter avant de passer aux questions du public. Je sais pas, peut-être Thomas. Ton micro. Mais vous avez tout dit, vous avez tout dit. Non, mais vous l'avez bien dit sur la partie confiance.
Alors pour prendre peut-être un peu de recul, ce qui est intéressant, c'est que c'est très européen, cette méfiance autour des données personnelles. Aux États-Unis, c'est absolument pas un sujet. Et les Américains sont pas câblés comme ça. Il n'y a pas de RGPD chez eux. En Asie, c'est exactement la même chose. Alors, bon, dans certains pays, peut-être qu'on ne demande pas exactement leur avis, Voilà. mais en tout cas, dans le plus grand d'entre eux. Mais dans d'autres pays d'Asie réputés plus démocratiques, ce n'est pas non plus un sujet. C'est vrai que c'est quelque chose de très européen, ce qui peut expliquer en partie cette méfiance qu'on a vis-à-vis des GAFA américains. Et cette perception qu'on a de ce traitement des données des GAFA américains et des acteurs chinois qu'on voit encore pas énormément arriver, mais qui ont exactement le même comportement prédateur de données, si on peut dire comme ça, sans aucune transparence. Et c'est un peu, voilà, un peu c'est ce qui explique cette mécompréhension mutuelle. La confiance, effectivement, elle viendra de la transparence. En tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément chez Orange. Hein, c'est d'ailleurs dans notre raison d'être, hein, d'être un acteur de confiance dans le numérique. Et la RGPD nous a un petit peu aidé là-dessus. Alors, elle a été vécue, c'est comme les RSE, hein, c'était vécu comme une contrainte et un traumatisme pour les entreprises et finalement c'est aussi un outil important parce qu'on communique, on est obligé de communiquer quand on se fait voler des données plutôt que certaines grosses boîtes qui se sont fait piquer des données avant la RGPD et qui ont absolument tout caché. C'est tout un travail de transparence pour essayer de faire en sorte que les gens aient confiance. Et on le disait sur l'inclusion, parce qu'en fait, il y a aussi une méfiance de la part du grand public, tout simplement parce que c'est un sujet éminemment complexe. Et je ne suis pas certain que, comme d'ailleurs beaucoup d'autres sujets en ce moment, exemple le vaccin ARN, mais c'est des mécanismes, forcément, et demain on parlera d'IA, qui ne sont pas forcément facilement décryptables, et même quand on est dans le domaine, on ne connaît pas forcément. Tous les systèmes de cloud privé, cloud public, ou même la RGPD, c'est quand même quelque chose qui est éminemment complexe. Et donc, forcément, de la part du public, ça génère une certaine méfiance, elle est légitime. Et donc, tout le travail des acteurs, encore une fois, c'est d'expliquer et d'essayer au plus grand nombre de les inclure dans ce monde numérique pour qu'ils fassent de moins en moins peur. Et on le disait sur l'inclusion, c'est un enjeu important. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, mais on est aux alentours de 20% de la population française qui n'est pas à l'aise avec le numérique, voire pas du tout, qui n'est pas équipée ou très peu équipée. Et on pense aux personnes âgées, mais c'est surtout pas que les personnes âgées. Hein. Il y a Bah aussi oui. beaucoup d'illectronisme chez les plus jeunes, et les taux, finalement, varient pas tant que cela, à part passer 80 ans, mais les taux en dessous de 80 ans, il n'est pas très différent chez les plus de 60 que les moins de 20 ans. Donc c'est même peut-être ce qui est le plus inquiétant. Et autant le numérique est une vraie chance, autant si ça, on laisse sur le côté 20% de la population, ça va être un vrai problème. C'est déjà un vrai problème et ça le deviendra de plus en plus au fur et à mesure où il sera de plus en plus important dans notre vie. Donc je pense que Orange mène des actions, d'autres acteurs, les acteurs publics aussi déploient beaucoup d'actions, les collectivités, l'éducation. Et je pense que si une entreprise dans le numérique pouvait, si toutes les entreprises dans le numérique pouvaient inclure dans leur RSE l'inclusion numérique, ce serait vraiment super parce que on sera jamais assez nombreux pour essayer de résoudre ce problème. Quentin, tu as parlé aussi tout à l'heure des malentendants et puis justement des personnes qui pouvaient accompagner les clients. Enfin, c'est aussi c'est un usage rendu possible par le numérique. Chez nous, on a souci hein, d'accueillir le mieux possible nos clients et nos clients qui parfois peuvent avoir des handicaps, hein, comme par exemple les malentendants. Et on a une personne en fait chez Orange qui connaît la langue des signes et en fait qui signe à distance. Donc en fait, on peut mettre la personne en contact pour qu'il puisse avoir une vraie conversation et puis autour des usages numériques avec quelqu'un qui sait signer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on peut pas mettre quelqu'un dans chaque boutique qui connaisse la langue des signes. Par contre, on peut partager une compétence en fait qui est mutualisée entre toutes les boutiques.
Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui sont rendues possibles par le numérique pour l'inclusion. Voilà, donc on est vraiment dans une boucle vertueuse RSE et voilà, pour laisser personne sur le côté, quoi. C'est tellement important. Je vous remercie. Alors, on a quelques petites questions. Il nous reste 15 minutes pour y répondre. J'ai une question concernant la peur d'externaliser pour les entreprises, d'externaliser les bases de données, notamment dues à l'espionnage industriel ou la perte du savoir-faire. Est-ce que ça représente un frein pour la transformation numérique dans le cadre de la RSE? J'aurais tendance à dire non si on choisit bien son acteur. Le sujet, c'est d'effectivement si on prend l'externalisation des données sur des clouds, il y a des acteurs de cloud, Orange en fait partie, mais il y en a d'autres qui sont des acteurs européens avec des clouds qui sont souverains et donc qui sont soumis à la réglementation française et européenne autour des données. Et donc là, pour le coup, en toute transparence, vous pouvez aller les yeux fermés. Travailler avec ces acteurs-là pour l'hébergement de vos données. Sur la plupart des entreprises, je n'ai pas le sentiment que ce soit un réel frein. Ce serait peut-être même presque l'inverse. C'est plutôt, il y a une grosse fuite en avant autour de l'externalisation des données, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des data centers qui les ont fermés parce que c'est simple, on ouvre un compte cloud, hop, on met tout et c'est facile. Et ça a même peut-être été un peu l'inverse où ils y sont allés de façon très volontariste et il y a eu quelques personnes qui ont été un peu échaudées sur tous les problèmes qu'ils ont pu avoir par la suite. Mais globalement, non, il n'y a pas de frein actuellement pour la transphonie vis-à-vis de l'hébergement des données. En tout cas, on n'en perçoit pas ou peu. Même sur moi, enfin, j'identifie un qui est un peu les monopoles, on va dire, que un ou deux services puissent monopoliser une partie du trafic, une partie de la gestion du trafic, je pense à AWS, donc les Amazon, qui en plus de livrer plein de colis chouettes de jour, qu'aussi la majeure, c'est quoi, c'est 30%, si je dis pas de bêtises, qui gère à peu près du flux de données au monde, donc, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que le fait que un ou deux acteurs se partagent toute cette infrastructure, en fait la nouvelle infrastructure, ça pose pas un souci de contrôle, de monopolisation, etc. Selon Orange. À 30%, on n'est pas dans le monopole. Pas dans le monopole, mais Ça commence à y ressembler. je peux citer beaucoup, beaucoup de secteurs. Si on prend les parkings souterrains, 80% appartiennent aux mêmes acteurs en France. Ah, j'ai pas dit que j'étais fan des acteurs de parking souterrain non plus. Mais il y a beaucoup de secteurs où, en fait, il y a quelques gros acteurs. Alors après, ça peut poser des questions philosophiques sur le fait qu'ils soient tous extra-européens. Il y a un vrai sujet à avoir de vrais acteurs européens. On fait partie du projet Gaia-X pour avoir un vrai acteur du cloud européen. On a aussi quelques offres cloud qui ne sont pas peut-être aussi performantes que celles d'Amazon, mais on essaie de proposer quand même des offres de cloud. Alors on peut citer OVH aussi, OVH Cloud, qui est quand même un acteur pour le coup en plus régional. Autour du cloud qui est assez puissant aussi. Et donc, AWS est certes prépondérant, mais il est quand même loin du monopole parce qu'il y a d'autres acteurs en face de lui qui ne sont pas du tout négligeables. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait pas beaucoup d'Européens à côté. Je me permets de vous en poser une autre. Alors, l'empreinte carbone est une unité de mesure. Existe-t-il des outils ou des normes pour mesurer le gain économique de la transformation numérique? Ouais, Non, enfin là, je regarde mes ouais. collègues qui font la même tête que Ouais. moi. Non, après, le gain économique, peut-être pas.
Ça a mesuré en fait avec des analyses locales, avec des analyses cycle de vie, etc. Enfin, c'est des calculs un peu complexes. Par contre, ce qu'on essaie de faire, nous, quand on s'engage à réduire nos émissions de carbone, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les moyens de mesurer en fait ce que génère. Jusqu'ici, on était surtout lié sur les coûts, finalement. Qu'est-ce que nous coûte une flotte automobile, etc. Là, maintenant, moi, j'en suis à calculer le carbone émis par des véhicules d'entreprise. Voilà. Donc, en fait, on a agrémenté en fait tous nos outils de suivi. C'est pas que du financier, c'est aussi des coûts carbone. Voilà. Donc, moi, je sais vous dire la date, combien mes salariés ont pris de litres d'essence dans les voitures, combien ça a généré de carbone, quel était le carbone généré par l'achat de la voiture, par les kilomètres de train, les kilomètres d'avion. Enfin voilà, on essaie de, du coup, il y a un gros travail qui est en train d'être mené justement pour essayer de quantifier tout ce qu'on fait en carbone. Voilà, parce que s'il faut pouvoir baisser nos émissions, ben, il faut pouvoir le mesurer, le quantifier. Et tout ça, c'est hyper complexe. Alors on est accompagné par des cabinets hein, là-dessus. Carbone 4, notamment pour pas le nommer, mais qui vont nous aider aussi à nous professionnaliser en fait dans tous ces coûts carbone. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu nouveau aussi pour les entreprises. On n'avait pas l'habitude, mais c'est devenu une nécessité. Voilà. Donc, et puis Il y a tout de plus en plus ça, Oui. je veux dire, de plus Pardon? en plus d'études qui montrent justement le parallèle entre quand on entreprend des démarches environnementales et la réduction des coûts, que ce soit des coûts directs ou des coûts indirects. Oui. Ça, c'est au niveau des coûts. Et après, il y a la partie bénéfices, enfin, qui montre notamment que les entreprises qui ont mis en place des démarches environnementales performent mieux économiquement. Voilà, il y a ces deux indicateurs-là en termes de performance et en termes de réduction des coûts. Bon, les deux sont liés quand même, mais il y a un lien direct entre implication dans l'environnement, dans une démarche environnementale et performance. Mais ce qui doit nous guider, enfin voilà, c'est cette recherche de gains en fait environnementaux au niveau de l'entreprise, à tous les niveaux. Et de temps en temps, voilà, ça va générer aussi des gains financiers. De temps en temps, pas. Hein, enfin, mais après, il faut prendre conscience. Je prends par exemple les goodies. Alors, ça, c'est rigolo, les goodies. Toutes les entreprises achètent des goodies. Les goodies, au plus on les achète, enfin, au plus ils viennent de loin, au moins ils sont chers. Enfin, il y a quand même un petit problème, quoi, voilà, là-dessus. Donc moi, j'ai envie de dire, bah, les goodies, est-ce qu'on en a réellement besoin? Enfin voilà, ou est-ce qu'on ne peut pas travailler sur des achats responsables avec des choses. Voilà, il y a plein de nouvelles choses qui existent. Et souvent, d'ailleurs, les personnes sont plus à la recherche de reconnaissance plutôt qu'à un énième cadeau qu'ils vont mettre dans l'armoire et qui ne sert plus à rien, quoi. Voilà, c'est aussi, il faut éveiller les consciences. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un changement culturel qui est en train de s'opérer hein, sans qu'on s'en rende compte. Et tout doucement, maintenant, enfin voilà, moi, quand je reçois un goodies, à la limite, c'est un peu une claque pour moi parce que je me dis, bon, bah, est-ce que j'en ai. Enfin voilà, pas compris que finalement, j'en avais pas réellement l'utilité. J'aurais préféré largement quelque chose qui était vraiment pour moi. Voilà. C'est un exemple, hein, mais bon, voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a plein en entreprise. Hein. C'est en train d'évoluer tout ça. Mais ça va dans le bon sens. Merci à vous. Encore une petite question alors, qui concerne plus la RSE. Alors, c'est une question. Alors, pensez-vous que plus tard, toutes les entreprises se verront obligées de se souscrire à la RSE? Alors, il y a pas d'obligation à date de dire, voilà, c'est pas obligatoire. Par contre, on sait que, bah, Quentin l'a dit, hein, c'est devenu maintenant, en fait, ça va devenir quelque chose d'un petit peu, les entreprises vont être amenées à le faire parce que si elles le font pas, ça va aller contre elles. Donc, indirectement, elles vont le faire. Après, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'inscrire finalement la RSE dans notre projet d'entreprise, en fait, hein, dans notre raison d'être. Voilà, dans notre raison d'être, il y a quelque chose de très fort sur le numérique responsable, voilà, et l'accompagnement. Donc, indirectement, on met la RSE dans notre raison d'être et on ne se contente pas de donner notre raison d'être, on l'a inscrite dans nos statuts. Et quand on inscrit ça dans nos statuts, ça veut dire qu'on va devoir montrer patte blanche. Voilà, donc on va devoir prouver. C'est pas uniquement une jolie phrase qu'on affiche partout. Il va falloir qu'on démontre,
prend en compte. Et voilà. Et alors, et même au niveau financier, hein, maintenant, on parle de la finance verte. Voilà. Donc, les investisseurs, alors même si c'est pas balbutiant, parce que c'est loin de là. Hein, pour vous donner un exemple, en septembre, on a fait une émission d'obligations chez Orange pour 500 millions d'euros. Et ça a été souscrit en une journée et ça va être utilisé à 60% pour les sujets environnementaux. Donc, voilà. La finance verte, ça existe aussi et bientôt les investisseurs, ils vont aussi juger les entreprises sur leur politique RSE. Donc voilà, c'est aussi un input qu'il faut prendre en compte, qui fait que même sans être obligatoire, bah, les entreprises, si elles n'y vont pas, elles sont mortes. Hein. Enfin, je prends par exemple même avec toutes les parties prenantes, comme tu le disais. Oui. Il y a certains en tant que fournisseurs d'une grosse entreprise qui a du RSE, on va regarder aussi. Dans l'attribution d'un marché, les collectivités le font déjà. Et nous, en tant qu'entreprise privée, on peut regarder aussi la politique RSE de nos fournisseurs. Et ça peut être il peut y avoir un certain nombre d'exigences au niveau de la politique RSE des entreprises qu'on va sélectionner. Certaines seront écartées parce qu'elles n'en auront pas. En tant que marque employeur, c'est évident. Parce que, alors moi, je suis un Y, je ne suis pas un millennial, mais un millennial le dirait mieux que moi. Mais que c'est un critère d'un. Mais c'est aussi valable chez moi, en tout cas, c'est que je ne pourrais pas aller bosser dans une boîte qui n'a pas des valeurs, au moins un minimum de valeurs en commun avec les miennes, hein, ou en tout cas qui a des valeurs qui pourraient être à l'opposé. Et si on veut fidéliser les salariés, c'est un bon outil. Et ce n'est pas juste de l'affichage de RSE, hein. Ce n'est pas du RSE light, hein, juste sur lequel on communique. Hein. Il faut que ce soit aussi vécu à l'intérieur de l'entreprise en tant que salarié, pour avoir envie d'y rester, déjà de postuler, et puis d'y rester, et puis aussi de se défoncer. Hein, parce qu'il y a aussi le sujet de l'implication. Je pense qu'on bosse beaucoup mieux quand on bosse pour une boîte dans laquelle on croit. En tout cas, moi c'est mon cas. Et puis, la dernière partie prenante, c'est les clients. On l'a vu. Alors maintenant, c'est beaucoup valable dans certains domaines. Hein. On pense au textile, qui fait fabriquer un célèbre fabricant de chaussures qui fait fabriquer par des petits-enfants en Chine des chaussures. Il y a de nombreuses années, au niveau du public, ça ne va pas et les ventes se sont effondrées. Mmh. Et donc après, d'ailleurs, ça leur coûte énormément derrière pour refaire de l'image, de la communication. Et ça leur a coûté des millions et des millions de dollars. Et des scandales comme ça, on en a tous quelques-uns en tête. Et donc, auprès des clients, les clients, je pense qu'au-delà d'acheter une marque, ils achètent aussi les valeurs de cette marque. Et la RSE est une des valeurs des marques pour lesquelles les clients achètent. Et ça peut être un vrai critère d'arbitrage. Et il y a de nombreuses études sur le sujet qui montrent que ça devient de plus... La part des personnes qui arbitrent en fonction des valeurs de notre entreprise sont de plus en plus importantes. Elle est croissante, elle n'est pas majoritaire. Mais elle croît d'année en année. Moi, juste pour enfoncer le clou, et effectivement, j'avais peur qu'on n'utilise pas les mots qui fâchent. Effectivement, je pense que une entreprise, si elle n'est pas engagée dans l'environnement, elle va mourir, tout simplement. Que une boîte qui va, enfin, les clients peuvent boycotter. Ça, c'est un mot aussi un mot fort, mais effectivement, le boycott est un vrai outil. De mix de sobriété et de lutte un peu. Donc ça c'est important aussi. Et il y a même de plus en plus, en tout cas, de personnes qui vont combattre certaines entreprises. Ça c'est de la désobéissance civile. Donc il y a ces mouvements là qui sont en route. Donc je pense que ça c'est un tournant qui est en train d'être pris par pas mal d'entreprises, mais qui est juste inévitable. Donc c'est essentiel. Et maintenant, la question, c'est de savoir à quelle vitesse ils vont réussir à le faire. Parce que la question n'est pas de changer d'ici 150 ans, c'est de changer maintenant et changer rapidement. Mmh. Et, ouais. Et vraiment changer. Ça, c'est important. Mmh. Il ne faut pas négliger le rôle qu'on a, nous, en tant que citoyens, sur parler de réglementation, mais finalement, les réglementations, elles répondent aussi aux attentes. Hein. Et puis pareil, hein, on est aussi tous clients des entreprises. Donc voilà, c'est aussi à nous à faire valoir qu'on veut acheter responsable, donc proposez-nous des produits responsables.
On va peut-être essayer de répondre à une dernière question. Alors, je vous rappelle que vous avez le droit de joker. Ici, cette question s'oriente vers l'impact environnemental de la 5G. Oh, étonnant. Très bien, excellente question. Allez, je la prends, Manu, tu compléteras. Oui. La 5G, en plus, on la teste depuis 2 ans dans la région, donc depuis 2018, c'est la ville de Lille qui a été choisie pour l'ensemble du groupe Orange dans le monde pour tester en premier la 5G. Donc on a quand même une petite expérience et un peu de recul sur le sujet. Et le résultat de ces tests, c'est qu'à nombre de gigas équivalents, on consomme 3 fois moins d'énergie qu'avec la 4G. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Dans la norme, à terme, à partir aux alentours de 2023, quand la 5G donnera, on va dire, toutes ses promesses, on sera aux alentours de 10 fois moins. Donc c'est quand même une rupture en termes de consommation. Il y a très peu d'évolutions technologiques qui vous permettent de diviser par 10 votre consommation d'énergie. Donc c'est un vrai progrès en termes de consommation énergétique et on aurait même tendance à dire que c'est un bel outil pour diminuer la consommation énergétique parce que sur les réseaux, on est sur une loi de Moore, hein, c'est-à-dire qu'on double à peu près tous les 18 mois. En gros, une année, on se prend entre 40 et 50% d'augmentation du trafic. Donc, voyez la croissance que ça peut représenter. Et donc, si on continue à avoir des trafics qui augmentent comme ça, la consommation d'énergie, elle suit la consommation du trafic sur les réseaux mobiles. Donc, effectivement, il est plus vraiment envisageable de continuer à fonctionner comme ça. Donc, la 5G, il y a une vraie rupture. On va pouvoir redescendre fortement la consommation énergétique. Demain, couplé à d'autres technologies, je vous invite à voir le replay d'une superbe table ronde que j'avais fait avec IBM sur l'edge computing. On pourra être beaucoup plus sobre aussi sur les données qui sont envoyées et limiter le nombre de données qui transitent. Ça va être un vrai outil, la 5G, pour avoir un peu de sobriété dans le numérique, sur le réseau mobile. Manu, je te laisse compléter au besoin. Oui, bah, oui, y a beaucoup de questions qui se posent sur la 5G. Je pense aussi que derrière tout ça, il y a aussi un débat sociétal, hein, quelle société voulons-nous, etc. Et puis, voilà. Mais alors, en termes en tout cas d'optimisation énergétique, on sait que la 5G, elle est mieux que la 4G. Il n'y a pas photo. Après, encore une fois, il faut adopter les bons gestes et puis travailler aussi sur la sobriété. Enfin, voilà, les bons usages, mais c'est un petit peu à notre main. Enfin, voilà, c'est pas parce que la 5G permet de faire plus de data plus vite, etc. Hein. Enfin, moi, regarder un film dans l'ascenseur, enfin, voilà, c'est un moment, faut aussi se poser la question de notre responsabilité, nous en tant que citoyens. Par contre, la 5G, elle va permettre d'autres choses, voilà, et aussi des choses très bien pour l'environnement, avec notamment tout ce qui est IoT, enfin les objets connectés, etc., qui vont vraiment nous permettre d'avancer. Voilà. Donc, il faut, moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut, voilà, je suis plutôt, enfin, je suis pro 5G. Par contre, je suis aussi pro-accompagnement de nos clients sur leurs usages. Voilà. Ce n'est pas de la data à tout va, hein. Ce n'est pas de la data à gogo. Hein. C'est aussi l'utiliser aussi à bon escient. Et de temps en temps, je pense que tout le monde n'est pas assez accompagné là-dessus. Voilà. Et quand je vois certains usages, ben voilà, je pense que certains trucs, on pourrait largement s'en passer. Mais sauf que les gens ne savent pas en fait que ça pollue numériquement. Je pense que s'ils le savaient déjà, ils le feraient un peu moins. Voilà, c'est pas parce que c'est permis voilà, je suis pas pour interdire les choses. Je suis plutôt pour responsabiliser les personnes sur tout ça, sur tous ces sujets. Mais c'est un vrai débat sociétal. Voilà, donc nous là-dessus, Orange, on est aussi dans. Enfin, voilà. On n'y va pas franco, hein, c'est aussi des dialogues aussi avec les collectivités locales, hein, et là où il y a des moratoires pour l'instant, voilà, on respecte. Hein. Mais voilà, faut se poser la question, la 5G, pourquoi et comment surtout. Mais comme je dis souvent, en fait, une techno, elle est neutre. Elle permet juste des usages. Et la clé,
On le disait tout à l'heure, pour l'impact environnemental, en fait, c'est l'être humain derrière ça. D'ailleurs, qu'il soit consommateur ou qu'il soit salarié dans une entreprise, à chacun de, à la fois d'être accompagné, parce que ça ne peut pas se faire n'importe comment, mais pour répondre à une autre question que j'avais eue dans un autre webinaire, c'était à quoi ça sert de télécharger en 5G une vidéo 4K sur mon téléphone tout petit? Mais ne le faites surtout pas, ça ne sert à rien. Je réponds toujours la même chose. Arrêtez de Oui, ne consommez pas cette vidéo en très haute définition sur un petit téléphone. Ça n'a effectivement aucun sens et ça ne générera que de la pollution numérique. On est tout à fait d'accord. Il faut, pour maîtriser et pour avoir un peu de sobriété numérique, il faut que tout le monde fasse un petit état des lieux et conscience et arrive à prendre conscience ou qu'on leur donne les moyens d'avoir conscience. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire pour que chacun de nos clients, Orange en tout cas, ait la possibilité de voir sa consommation sur l'espace client, comme on le disait tout à l'heure, et puis de leur donner plein de petits repères, plein de petites astuces pour aller vers un monde un peu plus sobre. à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Alors je sais qu'il reste quelques questions, mais il est l'heure et du coup on va prendre le temps sûrement d'y répondre à l'écrit. Donc cette visioconférence va bientôt prendre fin. Je remercie les trois intervenants d'avoir pu participer à cette visioconférence. Là, je vais m'adresser au public. En fait, ce soir, c'était notre première conférence de l'année organisée par notre projet étudiant. Et c'est pour cela qu'on aimerait vous diffuser dans les prochains jours un petit questionnaire pour avoir vos avis et pour pouvoir les utiliser à bon escient pour nos prochaines conférences. Alors, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci. Beaucoup.